Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Flammarion, présentent Moi, Milanolo, fils de Stradivarius, de Jean Divot, interprété par Renaud Bertin. Ouverture. Si je vous dis que je suis le Milanolo et que mon père s'appelait Antonio Stradivari, vous serez étonné sans doute, curieux, sûrement. Je suis en effet un violon. Pas n'importe quel violon. Le plus grand des luthiers m'a créé en 1728. Je suis, paraît-il, un chef-d'œuvre. Les premiers qui ont fait vibrer mes cordes étaient les musiciens du prince de Cotten, un seigneur saxon. C'était il y a longtemps, les humains diraient peut-être trois cents ans, mais nous, violons, ne comptons pas les années ou les siècles. Enfin, je suis toujours là, vaillant comme jamais, le temps n'ayant pas de prise sur mes formes délicates et mon vernis d'adolescent. Si j'en crois ceux prêts à dépenser des sommes colossales pour me posséder, je suis immortel. Comme mes frères et mes cousins Amati et Guarneri. Mais n'anticipons pas. J'ai tout mon temps pour vous égrener en majeur les triples croches de ma longue existence. Lorsqu'on me voit pour la première fois, serré dans la main d'un virtuose ou posé sur un coussin de soie, on est, je le sais depuis toujours, frappé par la beauté de mon fond en érable. Et par les veines serrées d'épicéas qui s'élargissent sur les bords. Je ne parle pas du vernis orange doré qu'on peut, c'est ma fierté, admirer dans son éclat presque originel. Des géants sylvestres dont je suis né, je voudrais tout savoir, mais je ne peux, hélas, que rassembler les souvenirs de conversations saisies au fil des jours dans l'atelier de Crémone entre mon père qui me construisait avec amour, son maître, Niccolo Amati, et le voisin Guarneri. Il parlait du temps où le jeune Antonio Stradivari, qui commençait à assembler des violons aussi beaux que ceux des meilleurs luthiers de la ville, s'alarmait, et il n'était pas le seul, en voyant fondre dans l'abri où elle séchait les planches d'épicéa qui feraient les violons de demain. « Les marchands de bois nous ruinent, » disait Amati. Ils savent que nous avons de plus en plus de commandes et que le bois nous manque pour les satisfaire. Ils en profitent et pratiquent des prix exorbitants. Antonio avait rompu le silence qui s'était établi après ces constatations désolantes. L'attitude des marchands de bois me rappelle que j'ai passé ma jeunesse au milieu des arbres, à Guadesco, loin de Crémone. Là, un vieux bonhomme qui fabriquait des mandolines et des violons de ménétrier savait tout de la forêt. Il m'a montré les sapins qui avaient grandi pour la musique et qui étaient prêts à ouvrir leur cœur et leurs veines au luthier. Aujourd'hui, j'aimerais partir avec l'ami Guarneri dans le pays des arbres à violon et choisir avec lui ceux dont nous ferons plus tard des instruments aux sonorités extraordinaires. Je sais comment, avec une bonne oreille et un maillet de buis, on peut repérer dans la futaie le sapin qui sonne mieux que ses voisins. Eh bien, mon père y est allé et je crois qu'il a rapporté à Crémone les pièces d'épicéa dont il a fait, lorsqu'elles furent sèches, ses violons les plus réussis. C'était en 1728, l'année de ma naissance. Ma mémoire des sons est meilleure que celle des premiers instants de ma vie. J'ai ainsi oublié comment Antonio Stradivari a fileté ma voûte au bédane et sculpté mon chevalet dans une fine lame de sycomore. Je me revois seulement pendu en compagnie de quelques frères d'atelier sur le fil tendu dans un coin de la bottega, en train de sécher mon vernis d'une belle pâte orangée, vive comme un coucher de soleil. Coucher de soleil. C'est justement ainsi que m'appela le père. Et j'ai porté ce surnom évocateur jusqu'au jour où je suis devenu la propriété du grand virtuose Viotti, qui me donnera son nom en attendant que je sois légué en 1846 à la plus jolie et talentueuse violoniste italienne, Teresa Milanolo. Mais nous n'en sommes pas là. Auparavant, bien des aventures me sont arrivées.